Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le retour d'une légende sur Clash Royale, Lemonty qui était un ancien joueur CRL chez Fnatic si je ne m'abuse. Il a fait des performances incroyables sur le jeu, cette année il est de retour pour vous, pour vos beaux yeux, pour la communauté française. Ça fait un mois et demi qu'il tryhard à mort et là du coup il a décidé de revenir également vous présenter un deck sur la chaîne. C'est le méga chevalier mineur cycle avec les sapeurs, vous allez tout de suite voir. Il est en super défi, il est déjà sur du 9-0, incroyable super défi, bienvenue à toi Lemonty. Salut, merci Nexiva pour l'invitation. Ah, et comme je vous ai dit avant le live, il a un micro incroyable, honnêtement, il a un micro de fou, donc j'espère que vous kiffez la qualité audio de l'ami Lemonty. Il va lancer des parties, et donc on va essayer de vous expliquer le deck un maximum pendant qu'il joue. Après, évidemment, il est en super défi en 9 victoires, donc il va devoir se concentrer un minimum. Ouais. En général, les dernières games, elles sont quand même assez tendues. Surtout si, en fait, ça dépend du match-up. Genre, si j'ai un bon match-up, ça peut être assez facile, mais dès que ça commence à être un peu plus complexe, là. Ouais, c'est sûr, c'est normal. Alors, tu es contre Hatcher de Christybel Roes. Eh ben, un gros clan, ça, on connaît le clan. Bah, il me semble que c'est un joueur ladder, ça me dit quelque chose très vaguement. Alors, ça ressemble à du Valkyrie Bou... un ballon. À 2-3 trucs près, hein. Ok. Archimage d'équipe, à nouveau, Ouais, c'est la version je pense avec que c'est. Sapeur et... Ouais. C'est Ouais, ça. exactement. Mineur, toi, bombe. Là, c'est 50-50 normalement, à peu près, il me semble, pour avoir Ok. joué quelques fois le match-up. Version très très jouée également, hein, celle-là. La version la plus jouée d'ailleurs, simplement. Donc ça joue Ouais, bat, là ça a bat en main, ça a la tour à bombe, ça a la bûche. Et ça a les sapeurs. Donc là il a sapeur, tour à bombe en main et bat. hop, on voit les squelettes qui vont courir Allez, un petit coup à droite, c'est là. parfait. Pour l'instant, je joue tranquille. Tant que moi je suis pas en x2, je joue vraiment safe. Mon but c'est de prendre le moins de dégâts avant le x2. Ouais. Et bah, selon le nombre de dégâts qu'il y a en général avant le x2, c'est ça qui détermine la game. Ok, t'arrives quand même avec le mineur, c'est pas mal. Mais il y a un contre-push, hein, ça va être compliqué. Il a les sapeurs aussi, il va peut-être les envoyer avec. On va voir. Oui, Qu'ils envoient à gauche. ok. Voilà, c'est intéressant. Ah, ils sont un petit peu tardifs les balles, c'est dommage. Ouais, mais au final, vu que ça split les dégâts, c'est pas si grave que ça. Non, non, Mais c'est honnêtement, exactement pas grave. s'ils les avaient mis à droite, les sapeurs, ils auraient fait beaucoup plus mal. Parce que derrière la Ouais. Valkyrie, j'avais pas de quoi les one shot. Ouais, mais je crois qu'il était pas sûr. Genre, il avait peur du bourreau, quoi. Je Ouais, ou pense, du hein. MK. Ou du C'est le MK, MK surtout. c'est le MK qui l'a fait perdre. Évidemment, Ok, maintenant il est je simple ce play, sens. mais c'est vraiment un bon play, hein, le play de sapeur. Et voilà, tu reconnectes. Ouais, et certains ils oublient trop souvent. De le faire, oui, je suis d'accord, hein, c'est un play qui est pas assez fait comparé à la puissance du truc. Méga chevalier à droite, on l'attend, voilà, le méga chevalier qui est posé. Voilà, j'étais obligé de prendre un coup de Valkyrie pour Ouais, avoir cette peur. Mais là, clairement. je pense que du coup, j'ai un bon counter push. Bah, vous avez autant d'élixir, sauf que t'as un méga chevalier à 60%, quoi. Voilà, je laisse le MK tanky. On envoie le mineur derrière. Mais Ah, il y a des malheureusement, les squelettes qui squelettes qui vont défendent se bien. Sa retourner. défense est propre hein, quand même. Bah, tu as connecté quelques Ouais. dégâts, mais. Ok. Donc là, il a récupéré de nouveau ses sapeurs. Hein, les sapeurs qui Bien sont joué splittés. ça. Allez, dart. Nice. Et vraiment chaud ce match-up. Hein. Clairement, c'est pas simple. Ouais, là ça va être tendu la fin. Ok, bûche. Donc il a Oh d'accord. récupéré de nouveau son mineur. Ouais, il va split les sapeurs je pense. C'est la Ah paire à ok, gauche. non, très mauvaise Tant mieux. C'est des clair. Parce que là, sapeurs, du coup, là, t'es pas ouais. trop mal, hein. Ouais, clairement. Si tu mets de la pression des deux côtés, ça va être un peu galère pour lui à défendre. Ouais. Ouais, le dart. Très bien Ouais, joué les ton dart. bats. Ok, parfait. T'as repris un petit avantage. À droite, t'es pas trop mal. Faire gaffe, hein. Il est à 6 d'Elex. Yeah, le gank parfait. Hop, l'aggro qui est pris par le Magic Archer, on dirige direct tout Ouais, ça. peut-être varier un peu tes placements de mineur après, on verra. Ouais. Bah c'est que je veux surtout en fait pas qu'il puisse défendre les bats et le miner en même temps, c'est surtout ça Ouais, qui est je dur. comprends bien. Ouais. Ok, il repart à droite. Ouais, oh, nickel, hein, ton bro il va faire une grosse défense. À gauche, faut gérer ça vite fait. Il va juste faire gaffe. Ouf. Aïe, 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 aïe. Aïe, t'avais pas le zap en main? Aïe, aïe, aïe. Non, j'avais pas. Ah, Non, le mais. pré-shot, je pouvais pas faire grand-chose. Ouais, c'est En gros, clair. vu qu'il me pressionne des deux côtés, je suis pas assez pour MK et j'ai Ouais. absolument rien C'est très pour bien joué rester hein, ce qu'il safe. fait. Hein. C'est exactement comme ça qu'il doit jouer, je pense. Oh là, par contre, ton bourreau il est pas mal. Il a bien def. Faut. Ah non. Oh. Ah, ok, bûche, ça Ah finit bah par là, c'est contre. La une prochaine bûche, bûche, ouais. ouais.
Force dépêche. Ouais. Ah, l'archer magique! L'archer magique! Ah, le petit coup. Non, franchement, j'ai jamais vu. Il a bien joué. Non, il a très bien joué. Comme tu dis, la pression de double lane qui te mettait en permanence, ça t'a empêché de pouvoir poser ton jeu, quoi. C'était vraiment bien joué. Hein. C'est la force du deck, hein, de façon, ça. Hein. C'est la pression double lane que ça peut mettre, ce deck. Mm. Pour 9, ça me semble pas si nul contre. Ouais. Oh, okay, non, ce serait ça pas aussi... la revanche encore. Ah, c'est possible. Ça va, ton dart, il est fort. C'est soit une revanche, soit. Ok. Ah non, autre chose. Ok. J'allais dire match miroir, mais avec les archers, ça me paraît bizarre. Ouais, c'est encore autre chose. Bon, soit c'est pas trop mal, hein. Toi tu peux jouer sous tour, donc il y a les bats en face, ouais, t'as Tétienne aussi. Ouais. Ok, donc il a 5 d'élixir. Je sais pas comment il va se défendre. Je suis pareil, sur un match miroir, mais peut-être une variante. Ok, tout à bon. Okay. J'ai jamais creusé ce deck. Hein. Mais ton méga cheval il va ressauter si il remet rien. Il va remettre quelque chose. Voilà. Encore même là. Oh les dégâts! Et puis effectivement il a claqué la bûche, hein. Bien joué le gang. Bon il fera pas grand chose mais. Donc il a 3 d'élex, c'était pas mal, hein. T'as déjà pris un énorme avantage sur la gauche. Ouais, et puis là je vais pouvoir le repression. Nice. Super. Là il doit soit gérer le dart, soit gérer le dart. Il va battre peut-être de nouveau. Méga chevalier! Waouh, il a pas le temps. Ok. En vrai c'est pas mal parce qu'il était plus d'élex quoi là-dessus. Il a bien accumulé. Ouais. Ok. Un seul coup, ça va. Ça double contact, ouais, nice. Ouh là nice. Là. Ça fait tellement plaisir quand ça contacte à fond. Ok, il fait pareil en face, faut vite répondre. Ah, j'en aurais qu'un, je pense. Ouais, ok, ouais. Ça va. Ça c'est sérieux. Ah ouais, les archers. Ah, et du coup, le mineur, il a un peu envoyé un suicide. Non, là, mauvais mineur, là. Je pensais pas, j'avais oublié les archers. Ouais. Après, il a 4 d'Elex, hein, il pourra pas vraiment trop les accompagner non plus. Il va falloir défendre. Ok, bûche, ouais, parfait. Je vais mettre un bourreau assez haut. Ok. Ouais, ça va le deny. Ok, je roquette. Ah, oh. Ok. Ah, c'est pas bon ça. Méga, je suis allié, du coup. 3 bombes, ouais, ça marche aussi. Après, il te reste 37 secondes hein, pour les prendre à gauche, donc ça devrait se faire. Hein. Je pense que tu devrais y arriver. Bah, à voir, parce que s'il essaye de full défendre, ça peut très très mal tourner pour moi. C'est vrai, faut vraiment que t'arrives à faire des grattages mineurs, quoi. Parce que là, il va MK. Enfin, mais il aura pas assez pour MK, je pense. Il est assez juste maintenant pour MK. Il est sèche. Ouais, du coup, tu vois, il peut pas défendre ton mineur. Parfait. Ouais, et en plus, là, il essaie de défendre alors que sa tour va tomber quand même. Ouais. T'as porté de zap, hein, quoi qu'il arrive. Non, c'est bon. Okay, non, c'est bon. Hop. Et là, ça me remet vraiment bien. Ouais, c'est bon, t'es back dans la game. Tout le monde peut la gagner maintenant. Non. Il avait deux options, soit il essayait de full def parce que j'ai pas de grosse. Ouais, soit il te mettait la pression. Et il y arrivait, soit il mettait la pression en mode il grattait un petit peu d'avance le temps que je prenne sa tour. Ouais, et... Ah ouais, c'est vrai que là, faut faire gaffe au bourreau de fond maintenant. Deuxième fois. Ok, il a le méga chevalier du coup. What? C'est bizarre ça. Ouais, je valide pas. J'approuve pas du tout ce play, mais tant mieux pour toi. Il a plus d'élex, hein. Il peut pas méga chevalier là, il est obligé de subir là. Oh là là là. Ah, j'avoue que c'est. C'était pas la meilleure sapeur ça, hein. Clairement pas. Mais ça performe map comme ça là. Ouais, je sais pas trop. Je suis pas convaincu. Ouais, qui m'a fait un plus d'ailleurs. Map. Nice, okay. On va gagner les bats. Ça m'étonnerait qu'il puisse me rush. Voilà. Oublie pas qu'il joue Rocket, okay. Hein, donc fais gaffe quand tu reposes tes cartes derrière fond map. Ouais. Non, c'est loin d'être gagné là, j'ai pris un bon avantage. Mais c'est clairement pas fini pour autant. Tour à bon qui est reposé, qui est parfait. Donc toi tu vas pouvoir gratter à droite avec le mineur. Ça c'est les mantis de l'agression. Y'a pas le temps les mantis. Ah, c'est vraiment le point fort de ce deck, c'est tout le temps agresser. Oh il s'est peur, oh, il faut tellement mal au méga chevalier. Oh t'as bien de ses splash dessus. Ok, 430, et là t'es très bien. Il a plus beaucoup d'élex, hein. Il va envoyer là, mais il est pas très bien. Parfait ça. Ok. Il a 6, 7, il va méga chevalier sur tes troupes. Ouais, il va MK, mais normalement il aura rien pour le... Exactement, pour le mineur, et là il va forcément se faire gratter par le mineur. Il peut pas gérer les sapeurs non plus, oh là là, mais quel joueur. Et voilà, c'est comme ça. Énorme, très très bien, très propre, hein. J'ai adoré la façon de le jouer.
Mais ouais, j'avoue, intéressant son deck. Hein. Ouais. Dans la série Antiméta, j'ai jamais croisé Tourabon, Marcher, Roquette, il a un peu tout mixé. Ouais, il a tout mixé, il a fait. Alors moi, je vais tuer le bourreau avec la Roquette, ensuite je vais sniper tous les matchups en un seul deck. C'est un choix, hein, c'est un choix. Hein. Je te laisse relancer quand tu veux. Yes. Let's ah, go. Bah super. Oh non, X-Monaster. Allez, c'est bon, là tu tryhard, tu le démontes. Hein. X-Monaster, c'est de l'eau. Hein. Tu vois, même lui, il fait le cochon. Il est pas prêt. Bah, il me connaît, mais... Bon. C'est vrai, il te connaît? Ouais, je lui parle. Je crois que j'ai déjà joué 2-3 games avec lui en entraînement, mais... Il est pas prêt, X-Monaster. Bon, il joue les finales CRL dans 18 jours, lui. Hein. Non, ah non, peut-être attends. Pas d'ailleurs, je crois pas qu'il ait été pris. Non, il me semble pas. Hein. Non, ils ont été disqualifiés. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Oui. Il a joué les playoffs, mais pas. Oui. Donc il joue 2.9, lui, hein, au cas où. Ouais, ça ressemble. 2.9, ça va, parce que la BDF est vraiment. Ah, what? What? Il joue à 2.9 avec toi, bombe. Oh, les escrocs. Enfin, peut-être, hein, je sais pas ce qu'il joue en vrai. Ah non, pas du tout. Cimetière, peut-être? Ah si, je crois, il me semble que c'est cimetière. Attends. Ouais, sûrement, c'est sûrement cimetière, ouais. Je sais pas, vraiment, je sais pas, ça peut toujours être Arkix, hein. Je sais pas. Bon, Arkix Tourabomb quand même. Ah, on a rarement vu ça, hein. Ah, regarde, alors ouais. Mais c'est quoi ce deck? Voilà, bah, aucune idée de comment jouer le match-up. Hein. Ouais, non tu l'as pas rencontré assez. Alors, on va bait la bûche. Comme ça, on va pouvoir mettre le dart à gauche. Ok, je choisis de pas bûche. Il a la bûche ou pas? Je sais même plus. Ah, il a bûche, ouais, il a bûche. Bah, pourquoi il a pas bûche? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je ne sais pas. Allo, Xbox Master? Allo, Esprit Glace, sur les bats? Ah ouais, c'est bon, esprit. Ouais. Oh, il a raté. Oh là là, X-Master. Mais il est fini, X-Master. Par contre, ouais. Ah, oh, c'est pas mal sur cet XE. Et hop, on zappe. Oh là là, j'ai bien envie. On envoie le deuxième coup et deux coups de bourreau, ça suffit large pour défendre l'Arc-X. Mais quel joueur. Et là, du coup, on MK. Toi, bombe. Ouais. Mineur. Ah, merde. C'est pas grave, hein. Tu vas mettre des coups là. Ah, c'est les bats, oui, les bats, c'est pas beau. Ouais. Ah, j'avais cliqué avant qu'ils mettent le Ice Golem. Ouais. Et ouais, en fait, si il recycle un Arc-X là, ça va être le problème. Ah, bah oui, c'est sûr, hein. Parce que là, ton bro il passera pas. Hein. Oh ok. Ah, ouais, okay. Un objet de zap, hein, du coup. Ça peut être tendu, parce qu'il va re-MG là, c'est sûr. Il peut bûche également, il va bûche. Ah, ouais, bah il verrouille là. Hein. Bien joué ce mineur en ce moment. Mais là il a recyclé déjà. Ouais je sais. Alors je pense que c'est perdu là, j'ai pris trop de retard sur le. Ouais. Ah c'est peut-être ce méga chevalier offensif, moi ça m'avait questionné que tu partes comme ça en méga chevalier. Possible ouais. Parce c'est... qu'il avait vraiment fait une défense bizarre en fait. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Je peux le punir, mais en fait non. Parce que là, du bah coup, après, il a un gros sort. Il a plus tempo ton méga chevalier, tu l'avais plus pour défendre l'Arc-X, c'était la un BDF, peu embêtant. Ouais, il a la BDF, il a BDF bûche, hein, donc il a parté de 2 BDF bûche. Ouais, non, avec les archers et tout, je passerai pas. Hein. C'est ça, parce qu'il a golem de glace, tu auras bombe, MG, archer, donc si on voit des méga chevaliers offensifs, ça passe pas. Faut vraiment l'utiliser défensivement sur les archers, je pense. Ah ouais, mais là... Non, mais c'est fini, là. Ah, c'est tellement dommage. Ouais, non, mais vraiment, je pense que c'était ça. Fallait peut-être qu'il y avait bah, des Xbox Master qui joue Xbo, hein. Et c'est ça, exactement. Il a suivi. Non, mais il a bien joué, parce qu'à partir du moment où il a défendu ton MK, il est bien reparti contre push, et il a verrouillé, quoi. Tu pouvais plus rien faire. On va se concentrer, parce que là... Ah, oh, un français. Oh, free win pour toi. Ah ouais. Bah, je sais pas, il paraît que t'es le meilleur des Français, donc... Ah, bah ouais. Non, mais c'est pour lancer des dramas au cas où, tu vois, y'en a pas. Ok, donc Hut de Gobelin. Et lui, il joue une carte qui est pas jouée. Ah, la Hut, bah, c'est de la merde. Oula! Et en plus, elle est. Ah non, c'est... je croyais que ça allait. Ouais, ouais bah là, si. Et même si ça connecte pas, je pense que là. Elle est pas bien. Ah non. Aïe.
En tout cas, on peut pas. Il joue original. Alors, 10 en super défi avec ce deck, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est chaud, j'ai. What? Ok. Oh! Les bots qui restent en vie, heureusement, ça aurait pu mettre dans le. Ouais, c'est clair, c'est bien passé. C'est bien passé. Ok, bah c'est. Ah, c'est peut-être un lockbait princesse, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout, hein. Je peux pas te dire. Là, dans la méta actuelle, ce deck. Mmh. Ouais! Ça me semble logique avec le reste du deck, remarque. Deck full spawner? Ah ouf. Bah là, ta princesse, frérot. Ok. Ouais, ok. Le mien, il m'est cher quand même. Ok, donc ça respawn à gauche. Il a 6 à l'instant. Non, ça va gratter tranquillement. Ouais, bon après à gauche, de toute façon, c'est pas très important pour l'instant pour toi. Ah, tu vois, ah ouais, un lockbait. Effectivement. Évidemment, on n'a pas de bûche. Non, on a un zap. Bon, après, zap, s'il met pas de troupes avec, ça va. Hein, ça va. Ah, ok. Ouais, t'aurais peut-être pas dû cycler un bourreau comme ça en fond de map. Hein. Bah, je pensais qu'il allait soit cycler MK à gauche, enfin de même lane, soit une sorcière. Mais comprends. Au final, c'est pas si dramatique que ça, vu qu'il a, il a pas son fût pour me punir. C'est vrai, tout à fait. Ouh, TDE. Ok. 3 bâtiments. Attends, mais TDE, ouais. Ouais, TDE, ouais. Il a pas le temps, Ah, tu vas pouvoir gratter. Oh, tu vas faire tellement mal. Là. Il active le roi, mais c'est pas grave, hein, franchement. Oh, il active même pas. Oh, il est pas lucky là-dessus, hein, le pauvre. Il est pas chanceux. Hein. Non. Là, s'il m'envoie un fût, je vais sûrement MK ou gang. Ok, gang. Comme ça, je peux MK. C'est parfait, gang. Hein. Oui, gang, c'est parfait. Hein. Aïe aïe, plus de fournaise. Il devrait MK. Ouais. Ok, ah, mais là t'as ton bourreau dessus, hein. Il est tellement cher. Ouais, et puis avec les bats, le mineur qui va se retourner après la princesse. Oh, c'est dur pour lui, hein. T'es en train de mettre tellement cher. Ah bah, c'est fini. Ouais, là juste à défendre 12 secondes. En même temps, mais sérieusement, comment il fait pour être en sorcière, méga chevalier, princesse, 3 bâtiments. Ouais, je suis curieux de comment il a. Comment il arrive à 10 victoires, quoi. C'est incroyable. Le deck est intéressant, la TDE intro, ça c'est sûr. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Surtout que t'as pas de temps, genre t'as absolument pas de Molos, ni de Golem en fait. Parce que Molos c'est complètement out de la méta à cause du bourreau. Ouais, Golem. C'est loin d'être le plus joué quoi. Et, ça doit être le. J'ai regardé là, c'est le dixième archétype le plus joué. Donc il est en 10ème position, ouais. c'est quand même pas beaucoup quoi. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Mais écoute, j'ai aussi pas sur les commentaires, hésite pas à me dire pourquoi. Et je te laisse relancer quand tu veux, donc t'es en 11-2, hein. C'est bien ça, Elementi. 11-2, c'est ça, là. Donc, allez, la 12 qui peut le faire, à tout moment, le petit 12. Ah, sauf si on joue un autre joueur CRL. Tu sais que j'ai la poisse, hein, parce que j'ai fait une vidéo avec Clash Weavash, là, il y a une semaine. Première game, je joue contre Sergio Ramos, là. Mais non. Ça fait 2 vidéos où je tombe contre des gros joueurs CRL, c'est même pas des petits joueurs CRL. Ouais, c'est des bons en plus, hein, clairement, ouais, c'est clair. Ouais, ça aurait pu être Frost. Allô. Allô. Ouais, on dirait. GR en face, sûrement. Oui, j'allais dire cimetière, mais pas du tout, non, GR plus possible. Bah avec bûche, oui, hein, sinon ça aurait été plutôt un fuite barbare. Bah j'ai un matchup complexe parce que j'ai pas de grosse défense sur les unités. Ouais, ouais, et tu vas prendre le tarif sur le GR, oui, c'est clair. Mais vas-y, c'est un bébé dragon fond de map. What? Ok, non, c'est un vrai. Bon, c'est, après, c'est s'il fait ça, ça peut. Ça peut jouer. C'est pas cette continue approved en tout cas, ça. Ah bah oui, bien sûr. Donc là, il va pouvoir foudre et tuer mon bourreau. Voilà. Ouais, mais du coup, il a plus d'ex, hein. Il est à 3 là. Ouais, j'avoue que. Parce qu'elle va peut-être fût. Non, Baby Dragon. Il a pas le fût, il joue bûche. Hein. Ah oui, pardon. Et bah, il l'a récupéré à l'instant, la bûche, hein, donc il va sûrement la poser tout tard. Ouais, bah peut-être défendre le MK d'abord. Ah bah non. C'est moteur passé devant, bien joué. Bah merci frérot. Hein, mais bon, la petite victoire, hein. Je sais pas ce que c'est que j'ai à fond de map, mais. Ouais, c'était un choix, hein. C'est vraiment un choix. Enfin, comme ça, là, sans savoir ce que tu joues. Ouais, même, il y a très très peu de match-up où tu fais ça. Genre, en général, c'était soit match-up miroir... Ouais, match-up miroir... Enfin, de toute façon, même pas en match-up miroir, hein, je vais pas te mentir. Oui, bah non, parce que même tu sais pas ce qu'il y a en face. Bah ouais, genre, tu sais ce qu'il y a en face. Un PK, tu vois, je mettais un PK, il faisait quoi? Ou un golem? Bah oui, fallait, t'es en mode, bon, bah, salut.
Ouais, c'est clair. Ouais, je suis avec un. Bah là, j'ai mis un bourreau, il avait Ball Foudre. J'ai pu MK tranquille et. Ouais. Ok, c'est bon. On va jouer tranquillement, du coup, on va le laisser. Ouais, venir. Parce qu'à gauche, il mettra du temps à te gratter. C'est pas un deck qui one-shot une tour non plus. Hein. Bah, il a pas l'air d'avoir compris la leçon, manifestement. Ouais, mais en x2, ça me choque moins. Hein. Ça me choque moins. C'est pas incroyable, tu vois, mais c'est moins choquant, quoi. Ok, il va essayer de tuer le bourreau sans la foudre. Pourquoi pas. Il va y arriver, mais il aura pris cher quand même. Ouais, puis surtout, bah. Hey. Ah ouais, le problème c'est qu'il y a un deuxième bourreau. Parce que lui il peut risquer un GR certes, mais. Ah ouais, il est pas bien là. Ouais, il a mis trop de temps en fait. Genre, il les garde, mais. Ouais, c'est avec, tu peux pas tuer un bourreau avec un baby dragon, genre, c'est pas possible. Oh, les gardes qui sont mis sur la charge. Aïe 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 aïe. On va partir de l'autre côté, hein. C'est une démonstration cette 12ème victoire sur les filles, les métiers. Ah, je t'avoue que je suis sûr, genre j'ai rarement eu récemment des victoires comme ça. Hein, qui sont données comme ça, genre ah. Bah surtout, double spawner là. Ah, les étoiles se sont alignées pour toi, après Xbo Master ils se sont dit quand même, bon, faut aller sympa avec lui. Ouais, attention quand même à pas... Non, il faut quand même que tu finisses, bon il faut soit deux zaps, soit un coup de mineur et un zap. Yes. Après un coup de mineur, ça peut se faire, hein. Il a que les gardes le pour gérer. Petit mineur à gauche, non, bah s'il fait pas d'effort, ouais, aussi, bon. Non, là par contre, c'était pas du super défi, c'était du défi classique, tu peux nous le dire. Et non, c'était bien SD. Énorme, allez, voilà, les 12 victoires d'Elementi qui passent direct dès la première vidéo qu'il fait avec nous. Je vous avais prévenu, il revient, il est en forme, en incroyable forme, le retour d'Elementi. J'espère que vous avez apprécié, évidemment, un joueur français très connu, un très bon joueur. Merci beaucoup à toi, Elementi, pour la vidéo. Pas de soucis, bah, c'était un plaisir. En plus, on a eu des games assez rigolotes à la fin, donc ça fait plaisir. C'est ça, on s'est fait plaisir. Clairement, on s'est fait plaisir dessus. J'espère que vous avez kiffé également. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller suivre Lemonty sur sa chaîne YouTube ou sur son Twitter. Vous avez les deux qui sont en description. Il mettra également le lien du deck qu'il va m'envoyer, donc je vous le mets également en description. Et je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.